Salut à tous, c'est Morgan VS pour 24h with de Comédia. Aujourd'hui, je vous invite sur un tournage exceptionnel de QSEC avec José Garcia qui sort le José Garcia. A tout de suite. D'envoyer pour avoir le même écran et comme ça m'aide, c'est quand je suis en train de parler à José et qu'il y a un problème aux caméras ou que Hugo il décèle quelque chose, au lieu de me faire un grand signe comme à l'époque, il m'écrit cut. Ouais Jérém, prends s'il te plaît aussi la vodka top budget et prends vraiment une vodka où dessus il y a une étiquette et il y a écrit vodka, enfin, ça me va, la moins chère possible s'il te plaît, bisous. En fait j'ai l'impression parce que je l'ai jamais rencontré de ma vie, José Garcia, je ne lui ai jamais parlé de toute ma vie. Tu sais que ça dépend énormément de moi et de lui. Ça veut dire que si moi je suis nul, c'est compliqué. Si lui, il est nul, c'est encore plus compliqué. En vrai, comme l'émission, elle commence par un shot, ça casse très vite le délire. Et voilà, quand l'invité, il arrive, comme je le connais pas et qu'on s'est jamais parlé, on se prend 10 minutes tous les deux. Et là, il se rend pas compte, mais là, je le teste à balle dans les vannes, dans tout. En fait, je lui parle, je lui explique le concept, mais en lui le snipant un petit peu, lui faire des petites vannes, le tacler un peu pour voir à peu près comment il réagit. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Je te présente Olivier, un pote à moi. Ouais, très bien. J'ai fait une figuration avec lui en 2013 dans Insaisissable. Ouais, c'était pour mon anniversaire. Une directrice de casting qui m'envoie un message sur Facebook que je connaissais, genre joyeux anniversaire. Et elle me dit, bon, ouais, j'ai pas de cadeau pour toi, mais si tu veux, j'ai une figuration ce week-end pour un film américain avec Morgan Freeman et José Garcia. Le combo déjà c'est super chelou. J'ai pas un gros rôle mais reconnais mon jean. Mais José Garcia non plus au final. Dès que je suis dedans je m'en rends même plus compte. C'est à dire que dès que j'ai fini la première séquence je me dis putain le premier jeu je l'ai animé. Maintenant c'est que des questions. Les questions c'est lui qui fait les choses c'est pas trop moi. Moi je suis là pour mettre des petites vannes. Après il y a le troisième jeu. Là il y a le truc des mariachi qui viennent donc ça fait un petit truc en plus. On va voir comment ils arrivent à se placer. Le but les gars c'est qu'on filme vraiment. En vrai je pense qu'il y a 7 minutes de rush grand maximum. Pied gauche. Pas de tourne, bravo monsieur. Bon j'espère que ça vous a plu. C'était 24h with de Comédia. Bye.